Bonjour, on va traiter un exercice de l'arithmétique. L'exercice est suivant. Soit A et B deux ordinateurs R dont la somme et le produit emportent, j'ai cité, le carré d'un nombre premier P. C'est-à-dire que A et B deux ordinateurs R et P un nombre, un entier. Naturel premier, tel que le B, j'ai cité, de A plus B, A, B égale à P carré. La première question montre que P carré divise A carré. Bon, nous avons ici une indication. On pourra remarquer que A au carré est égal à A facture de A plus B moins AB. La question B démontre que le bijoucycle de A et B est soit P carré. On cherche à déterminer des ordinateurs A et B tels que le bijoucycle de A plus B et AB est égal à 49 et le PPCM de AB est égal à 231. Soit A et B deux ordinateurs, les deux entiers, montrent que le BGC de A, que leur BGC est égal à 7, quelles sont les solutions de problèmes proposés. Voilà, nous allons commencer par la première question. Ici, nous avons une indication, remarque. A carré est égal à A, facteur de A plus B moins AB. On a le BGC de A plus B et AB divise une part A plus B et d'autre part divise AB. Et comme A plus B, le BGC de A plus B et AB est égal à P carré. Alors, P carré divise A plus B et P carré divise AB. Donc, P carré divise A facture de A plus B et P carré divise AB. Cela implique que P carré divise, bon, A facteur de A plus B, termine de AB, puisque de A plus B. Et puisque P carré divise A plus B, alors il divise, tu le multiplies de A plus B. Donc, A plus B divise A facteur de A plus B divise AB, donc il divise la différence. Cela implique que P carré divise A au carré plus AB moins AB. Cela implique que P carré divise A au carré. Voilà pour la question A. On déduit que P divise. Bon, en déduisant. Que P divise, bon, P divise A et P divise B. Montrant que P divise A. On suppose que P ne divise pas A. Comme P est premier, alors le BGC de A est égal à 1. En effet, PA divise P et le BGC de A divise A. Comme P
période de A, B, D, S, P, effet premier. Alors, P, A, bon, P, le BGC de A, de P et A est égal à 1, O, le BGC de A, P est égal à P. Bon, le BGC de A, P est égal à 1. Bon, si, pardon. Le BGC de A, P est égal à P, alors, P divise A. Ceci est faux. En effet, le BGC de A, P, bon, P ne divise pas, on ne fait P. Ne divise pas. Bon, donc, le BGC de A, P est égal à 1. Donc, il existe un propriété vraie appartenant à Z carré, tel que PU plus AV est égal à 1. D'après, le théorème de Bézut. Bon. Donc, par passage carré, bon, par passage, je vous parle encore, donc, implique, bon,
il existe UV, pardon, il existe U1, V1 appartenant à Z carré, pardon. Tel que U de 1 plus A carré V1 au carré est égal à 1 au carré. Bon, cela implique bon, que pi carré U1 au carré plus 2 bon, 2 A carré V1 plus bon, pi 1 plus V plus au carré A carré V1 au carré est égal à 1. Bon, cela implique que pi carré U1 au carré plus A carré facteur de 2 V1 plus P U de 1 plus A carré V1 au carré est égal à 1. Bon, cette quantité n'est autre que qu'un entier relatif. Cela implique qu'il existe E2 V2 appartenant à C carré tel que P carré E2 plus A carré V2 est égal à 1. Cela implique que pi carré a au carré est égal à 1 d'après le théorème du Buzo. Donc, pi carré ne divise pas a au carré. Ceci est faux. Ceci est faux. En effet, d'après la question A, pi carré divise A au carré. Donc maintenant, notre supposition est fausse. On a supposé que pi ne divise pas A, donc c'est une proposition fausse. Alors pi divise A. Et comme A et B, pardon, joue un rôle symétrique, alors pi divise B. Donc pi divise A et B. Voilà la deuxième question. Bon, on cherche le couple AB appartenant à N carré tel que A plus B, pardon. A plus D et AB est égal à 49 et PPCM à 231. Voilà la question A.
montrant que le bisexe de AB est égal à 5. On a P divise A et P divise B. Donc, pardon, ici, pardon, nous avons, on a, montrant que A, le bisexe de A est égal à 7, bon, on a A plus B, le bisexe de A plus B à AB est égal à 49, qui est égal à 7 au carré. Donc, 7 divise A et 7 divise B d'après ce que précède. De AB. Bon, montrant que le bisexe de AB divise, donc est inférieur ou égal à 7. On a le bisexe de AB divise A et le bisexe de AB divise B. Donc, le bisexe de AB divise A plus B et le bisexe de AB divise AB. Cela implique que le bisexe de AB est inférieur au bisexe de A plus B et AB. Car le bisexe de AB divise A plus B divise A multiplié par B, donc c'est un diviseur de A plus B et A, le produit AB. Donc il est à fait le plus grand diviseur qui est le bisexe. Bon, cela implique, pardon, divise ici, oui, inférieur.
Donc, cette devise. Maintenant, on va supposer que on suppose que le BGCD de A est égal à delta. Donc, il est équivalent à l'existence alpha beta appartenant à n carré. Tel que A est égal à delta alpha et B est égal à delta beta et alpha beta lors BGCD est égal à 1. Bon. Cela implique, on va revenir à cette somme, bon, donc E comme, pardon, E comme A plus B, et AB est égal à 49, alors, delta alpha, plus delta beta, le BC de cette somme de delta A, delta B est égal à 49. Bon, cela implique que delta facteur de alpha plus beta et delta facteur de alpha beta delta est égal à 49. D'après la commutativité de BGCD, donc on aura delta de alpha, bon, pardon, de alpha plus beta et de alpha delta est égal à 49, cela implique que delta divise 49. Donc, delta est égal, bon, delta appartient, pardon, les divisions de 49 sont 1, 7, 49. Bon, si delta est égal à 49, comme delta divise A, alors 49 divise A et 49 divise B. Donc, 49 divise 2PCF de A et B. Divise du limitif de A et du limitif de B, donc elle divise le limitif de A et B. Et comme le BGC de A est égal à 231 et
49, ne divise pas 231. Alors, delta est différent de 49. Donc, delta est égal à 1 ou 7. Bon, si delta est égal à 1, alors A et B sont premiers entre eux. Donc, A au carré, B carré sont premiers entre eux. Et comme 49, bon, 7 au carré divise A au carré, et 7 au carré divise B carré, ceci est faux. Car, on va trouver, ceci est faux, pardon. Car, si 49, bon, si 7 au carré divise A au carré, 7 au carré divise B carré, on aura le BGCD de A au carré supérieur à 7 au carré qui est égal à 49. 49 différent de 1. Différent de 1. 49 différent de 1. Donc, pardon. Donc, delta ne peut pas être égal. Donc, il reste delta égal à 7. Ici, 231. Donc, delta est différent de 1. Alors, delta appartient au singleton 7. Donc, delta est égal à 7. Moi, delta est égal à 7. Moi, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Mais quelles sont les solutions de problèmes posés? Bon, mais cherchons les solutions de problèmes posés. Bon, on a étudié la 7, est équivalent à L existant par bêta appartenant à N au carré tel que A est égal à 7 delta, bon, à 7 alpha, pardon, et B est égal à 7 bêta, et le but c'est de alpha bêta est égal à 1. Et comme le BGC de AB et de AB est égal à 49, et le BPCM de AB est égal à 231, alors 7 alpha plus 7 bêta, 7 alpha, 7 bêta est égal à 49, et bon, 7 alpha, 7 bêta est égal à 231. Voici la implique. Bon, que 7 alpha plus bêta et 7 alpha bêta bon 7 facteur de alpha plus bêta et 7 facteur de 7 alpha bêta est égal à 49, cela veut dire que 7 on va factoriser par ce bon, on va sortir 7 à l'intérieur du BGCD, donc on a 7 est égal à 231, cela veut dire
207 divise 231 Bon, ici nous avons 7. Le BGC de alpha, le PPC de alpha est égal à 231. Ici, par conséquent, on fait ici. Oui. Donc, alpha plus bêta. Et bon, le budget c'est plus alpha et bêta. Ici, on prend une trône, donc leur bête, le PPCM, c'est leur produit. Donc, c'est 7. Alpha et bêta est égal à 231. Cela implique que alpha plus bêta, 7 alpha bêta, est égal à 7. Et. Alpha beta est égal à 231. Donc, 231 divisé par 7, c'est 3. 3, c'est 21. 2, 21. Donc, c'est 33. C'est égal à 33. Bon, donc. Alpha et bêta sont les diviseurs de 33. Avec la première condition, bien sûr. Le diviseur de 33, c'est 1, 3, 11, 31. Donc, c'est 33, 11, 3, 1. Bon, si le couple alpha bêta, bon, le genre signifie qu'il est égal au couple alpha 1,33, on va voir ce qu'il veut faire la première condition. On aura donc 1 plus 31, 7 multiplié par 31 est égal à 7. Cela implique que 34 c'est du multiplié par 17, i ici 7 multiplié par 3 multiplié par 11 est égal à 7. Mais le PGC de cette quantité, bon, ce sont 2, 17, 7, 3, 11, ce sont des nombres premiers. Et il n'a aucun facteur commun ici, cela veut dire que 2 multiplié par 17, 3 et quoi, pardon, 2, 17, 7 multiplié par 3 multiplié par 11 est égal à 1. Alors, on aura 1 est égal à 7. Ceci est faux. Donc, il nous reste un support ici, 3, 11. Donc, alpha beta est égal au couple 3, 11. Bon, on va voir ce qu'il veut faire la deuxième pour la première condition. Nous avons 3 plus 11 i 7 multiplié par 3 multiplié par 11 est égal à 14. 7 multiplié par 33, pardon, qui est égal à 2 multiplié par 7. 7 multiplié par 33, qui est égal à 7, 2, 33. Le plus ici de 2 est 33. 33 n'est pas un nombre pair, donc est égal à 1, donc est égal à 7 multiplié par 1, qui est égal à 7. Donc là, la première condition est réalisée, la deuxième condition est réalisée, donc
alpha beta. Pardon. Donc, alpha beta est égal au couple vent 3 grands et puisque alpha et beta genre symétrique, alors alpha beta appartient à l'ensemble du couple 3 alpha 11 3 3 11 3 3 11. Et comme delta est égal à 7, alors le couple AB appartient, bon, est égal à 7 alpha, 7 bêta, appartient à l'ensemble des éléments 3 multiplié par 7, 11 multiplié par 7, 11 multiplié par 7, 3 multiplié par 7, donc AB appartient à l'ensemble des éléments 21, 77 et 77, 21. On a A plus B et AB est égal. Bon, 21 plus 77 et le BGCD de 21 multiplié par 77 est égal. Ici 88 et 88. Bon, ici 67. Multiplié par 7, multiplié par 3, multiplié par 11. Donc, il est égal 2 multiplié par 49, ici 49, multiplié par 33, qui est égal à 49, le PGC de 2, 3, de 2 et 33, donc il est égal à 49, multiplié par 49 multiplié par 1, le BGC du 2, 2 et 33 est égal à 1, donc est égal à 49. Bon, pour notre condition, le PPCM. Bon, on a A, B, bon, est égal à A, c'est 21, B, 77, ou bien l'inverse. Donc, on aura 21. Si 7 et 7 multiplié par, bon, multiplié par 3, bon, le PPCM, oui. 233, oui, 7 multiplié par 3 et 7 multiplié par 17 est égal à 7, 60, pardon. Alors,
Le BPCM de 3 et 11, c'est 3 multiplié par 11. Donc c'est 7 multiplié par 3 multiplié par 11 est égal à 7 multiplié par 33 qui est égal à 22. Donc 21 plus 2, c'est 23. Voilà. Donc le couple 21, 77, 88, cette solution. Donc, le couple 21, 77, 77, 21, vérifier. Le système en volonté S ou le système volonté S petit disparant le système S donc l'ensemble du solution de S et grand S est égal à l'ensemble du couple 21, 77, 77, 21. Voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.